Si je devais dire la moitié de ce que j'ai vu aux collègues de l'IGGN, je crois bien qu'ils me déclareraient inapte au service avant la fin de la conversation. Pourtant... L'enquête qui nous a été confiée au début du mois de mai 2013, c'est certainement l'enquête la plus étrange que j'ai eu à mener dans ma carrière à la gendarmerie. Et je crois qu'aucun d'entre nous ne s'en remettra jamais tout à fait. Je suis le capitaine Alain Tellier. Je dirige une équipe d'enquêteurs à la section de recherche Aquitaine à Bordeaux. Avant tout ça, je vous aurais dit que mon équipe était juste une bonne équipe de gendarmes ordinaires, avec leurs qualités et leurs défauts. Mais maintenant, avec ce qu'on a traversé, merde. J'ai l'impression que c'est devenu une deuxième famille. Du genre de celle avec qui on partage ses plus sombres secrets. Elle, c'est le lieutenant Caroline Joss. Son truc, c'est le respect rigoureux des règles et des procédures. J'avoue que je suis bien content de lui déléguer cet aspect du boulot. C'est aussi un peu une maman pour les autres lieutenants, un peu trop parfois. Faut la recadrer de temps en temps, mais en douceur parce qu'après tout, elle fait du bon travail. Là, qui inspecte le tableau d'enquête, c'est le lieutenant Aurore Huard. C'est la plus maligne du groupe. Passionnée de psychologie, du genre à aimer mettre les gens en équation. Quand elle est arrivée ici, elle m'a dit qu'elle rêvait de partir faire un stage au FBI pour devenir profiler ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je me demande si c'est pas le FBI qui devrait venir faire un stage avec elle. Lui, c'est le capitaine Daniel Brochard, un gendarme en fin de carrière, avec des opinions bien arrêtées. Pas forcément facile à mener, mais on bosse ensemble depuis des années et il faut reconnaître qu'il a des qualités sur le terrain. Tant qu'il vient pas nous bassiner avec ses lubies de vieux racistes grincheux et qu'il fait son job, je n'ai aucune raison de lui mettre des bâtons dans les roues. Puis, la retraite va pas tarder. Disons qu'il aura bien mérité. Et le grand gaillard, là, près de la porte, c'est le petit dernier, le lieutenant Kader Messali. C'est le sportif de l'équipe. Son rêve, c'est de finir au GIGN. Et je crois bien qu'il en a les capacités. On a toujours besoin d'hommes d'action dans la gendarmerie. Et Kader, il fait partie des meilleurs que j'ai pu rencontrer. Faut juste qu'il apprenne à se canaliser. Ça va venir, j'en suis sûr. Je l'aime bien, Kader. A commencé le 9 mai 2013, sur les coups de 5h30 du matin. Le lieutenant Da Silva de la brigade de recherche de Libourne m'a tiré du lit. Sur le papier, rien qui ne sortait de l'ordinaire. Une maison en flammes dans le secteur, à Villegouge, les pompiers avaient déjà sorti deux cadavres portant des impacts de balles dans une chambre au premier étage. Mais très vite, quand on est arrivé sur place, on a compris que la tuerie de Villegouge ne serait pas une affaire comme les autres. Malheureusement, on n'imaginait pas à quel point.